Salut, nous sommes ici pour vous présenter les belles images de la croisière qui a eu lieu à Barcelone pour Code One en 2019, cette année donc. La prochaine croisière, pardon, aura lieu en 2020 et il faut être manager 2 étoiles pour pouvoir le faire. Là, je suis à 56% des réalisations. Alors, chez toi, si ton bateau est encore au début ici, c'est que tu as encore du travail à faire, OK? Et donc, on va voir les images. Vous pouvez voir les images ici. Je vous informe que je suis maintenant Titanium, OK? J'ai déjà fini les 15 niveaux du Streamline Bonus, OK? Qualifié pour tous les 15 niveaux. Donc, de passage, je vous le montre. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas jaloux de moi. Hein? Voilà, 1000 euros par semaine. 1000 euros par semaine. OK? Sur Titanium, j'ai 15 membres. Il y a plus de 100 000 personnes venues après moi dans le monde entier. Je suis qualifié pour 1000 euros par semaine. Maintenant, allons pour les images. Pour la croisière qui a lieu, il y a des gens qui ne croient pas. On leur montre les choses vraies. Ils sont là, ils s'inquiètent, ils sont soucieux. J'ai perdu l'argent par-ci, perdu l'argent par-là. Tout le monde a perdu l'argent. Mais c'est dans ça qu'on apprend à connaître le mieux, le vrai. Alors, faut arriver donc à distinguer le ver de terre du serpent. Voilà. Vous qui dites que bon, quand le serpent t'a mordu, voilà, faut savoir distinguer le ver de terre du serpent. Quand tu vois le serpent, que tu le confonds au ver de terre, tu vois le ver de terre, tu confonds au serpent. C'est que toi-même, tu as un problème. Voilà. Il faut, par ton expérience que tu as vécue, il faut savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Il faut distinguer. Tu as été victime. Tout le monde a été victime. Et justement, Dieu fait ça pour qu'on apprenne. Maintenant, si maintenant que tu as été victime d'autres affaires, que Dieu te donne l'occasion pour te retrouver et que tu rejettes l'occasion, ah là, c'est que c'est un problème. Vous savez, on dit souvent que souvent quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Mais nous restons tellement concentrés sur la porte qui est fermée qu'on n'aperçoit même pas la porte qui vient de s'ouvrir. Là, je vous montre les images de la croisière qui a eu lieu du 11 octobre jusqu'au 17 ou 18 octobre 2019. C'était une croisière vraiment VIP. Et l'année prochaine, il faut se qualifier pour partir aussi. Voilà. Claude va partager les images avec nous dans la partie news. Et donc, je vais cliquer pour partager avec vous. Voilà. J'étais en train de. Ça, c'était sur la. Ça, tout ça, c'est sur le bateau. Hein, ce que vous montrez, c'est sur le bateau. OK? Donc, voilà. Ça, c'était à des conférences. OK? Pour montrer les projets. Tout ce qui est. Toute la compagnie. OK? Voilà. Ça, c'est un monsieur. Je ne connais pas, mais ce sont des leaders. Voilà. En fait, ici, on montre comment on appelle, les leaders qui ont été qualifiés pour la croisière. OK, les top leaders. Donc, ce sont eux qu'on voit là. Vraiment, il n'y a que des blancs qu'on voit. Pas que je suis jaloux des blancs, mais voilà, au moins, on a un noir ici. Voilà, Africa. Voilà, mon doigt est un bon gars. Voilà, j'aime quand on est fier de son continent, de sa peau noire. OK, là, tout ça, c'est dans le bateau. OK, voilà, donc on a fini avec ça, on attaque ça. Nos dames étaient heureuses ici, hein, sur le bateau. Hein. Voilà, nos dames sont très heureuses ici. Il faut s'épanouir dans la vie. On vit une seule fois, on ne vit pas 2 fois. Voilà, c'est aussi un leader. Sur la mer, voilà la mer qui est là. C'est trop romantique. Vous voyez ça? C'est romantique, non, n'est-ce pas? OK. Je montre les images. Voilà, les Sud-Africaines qui sont vraiment très avancées dans Code One. Dans le monde entier, les Sud-Africains sont les plus avancés. Voilà, heureusement que ça aussi en Afrique. Ici, on vous fait comprendre que pour même avoir des voitures, valeur de 100 milliards de dollars, non, pardon. De plus de combien? 94 milliards. All I'm giving with work. Voilà. Ça, les jeux en ligne génèrent des chiffres d'affaires vraiment astronomiques. OK?
Voilà. Et donc, Crowan a bien choisi d'investir, de se mettre dans ce domaine. Voilà. Ce sont des leaders que vous voyez comme ça. Hein. C'était le chapeau qui était à la mode là-bas. Hein. Voilà. Tous ces vieux-là sont des. Ça, c'est un papa qui est là. Ouais, tu as un salaire et puis tu dis non, ça là, ce sont des trucs bizarres, bizarres. Tout ça, c'est Claude One que vous voyez comme ça. En fait, ça me fait. Il y a des personnes qui vont rater ça parce que ils sont devenus négatifs parce qu'ils ont perdu de l'argent. Oui, vous pouvez perdre de l'argent quelque part. Mais ce n'est pas parce que vous avez perdu de l'argent que tout est faux dans la vie. Hein? C'est la plus belle image selon moi. La plus belle image, la plus belle, une belle vue sur le bateau. Vous voyez? On peut perdre l'argent dans une affaire. Bon, Dieu peut nous faire une ouverture pour se retrouver. Pour retrouver l'argent qu'on a perdu là. Dieu peut ouvrir une porte. Mais vous, tous ces gens que vous voyez là, c'est dans Code One, ils sont, hein? Hein? Tout ça là. Une entreprise qui n'a même pas encore fait le lancement. Pré-lancement seulement, on va en croisière. Et quand il va faire le lancement. Tout ça ne vous dit rien. Posez-vous aussi des questions. Dites, mais attendez, je ne comprends rien dans l'entreprise. Ils n'ont pas encore lancé. Ils sont en pré-lancement. OK? Et puis, ils impactent le monde encore comme ça. Et quand ils vont faire le lancement, alors? Voilà ma soeur africaine. Voilà. Bien saper, saper comme jamais. Hein? Posez-vous cette question. Tellement de photos que je ne sais plus maintenant laquelle vous montrer. Voilà, donc on va implanter les choses dans le site, sur le site. On va encore l'améliorer pour votre succès. OK. Tout ce que vous voyez là sont des grands leaders de couloir. OK. Ça vous avez fait peur. OK? Ce sont des grands leaders. Pourquoi pas vous aussi? Claude One, yeah. Belle image. Bien habillé. Voilà, sur le bateau. Il n'y a même pas assez de noir. Parce que le noir. Oh, si on a déjà vu ça. Tout cela, Crowd One. C'est la réalité, hein? Vous allez vous réveiller là, les gens sont des millionnaires. Vous allez dire, mais ah, donc l'affaire là, c'était sérieux alors. Mais c'est déjà trop tard. Vous savez que, il y a ceux qui risquent là, ceux qui, dans la vie, qui deviennent des millionnaires, ce ne sont plus des risques quelque part, où les autres ne voulaient pas prendre ce risque-là. Oui, ils ont pris le risque quelque part. Voilà. Et donc, vous voyez tout ça? Ça, c'était lorsqu'on était en train de féliciter les top leaders dans le monde entier. Voilà, ça, c'est une belle vue aussi, une belle image. On les appelle sur les strades, sur le podium. Et puis, leur nom est déjà listé en haut là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on les félicite. OK? C'était sur le bateau, tout ça aussi également. OK? Voilà. Et donc, il y a eu plusieurs cas comme ça. Ça. Vous voyez? Ceux qui ont atteint le niveau 11 du Streamline Bonus. OK? C'est le niveau 11 là. Voilà. Ceux qui ont atteint ici, c'était quel niveau? Ici, on ne s'est pas vu. Top producer septembre. Et puis ici encore, on va voir ce que ça donne. Ceux qui ont atteint le niveau 13, il y a une dame qui est là. Je ne sais pas si d'autres dames sont montées après aussi. Vous voyez, niveau 13 du Streamline Bonus. Non, non, excusez-moi. Ce n'est pas le Streamline Bonus, mais le Network Level, c'est-à-dire les grades là. Voilà, les grades. Ça commence par Team Leader, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à le dernier, c'est Président. Voilà. Elle est d'Afrique du Sud. C'est elle qui est là. Elle fait partie des gens qui ont été qualifiés. Voilà. On a parlé aussi de la carte de crédit de Crowd One. Ça a été présenté au public. C'est une réalité. C'est ça qui est là.
C'est l'un des directeurs de l'Asie Pacifique qui est en train de parler là. OK? Et qui explique ça. Ça, c'est sur le bateau. Vous voyez, tout ça, c'est beau. OK? C'est la vie, hein? On vous donne l'occasion d'avoir de l'argent et de vous amuser. Et vous ne voulez pas. Vous êtes négatif. Bien. Heureusement que tout le monde n'est pas négatif, qu'il y a des gens qui croient, qui s'engagent réellement là-dessus. Vous voyez, le monde avance. Hein? Il y aura bientôt aussi un compte wallet, voilà, pour chaque personne. Donc, chaque membre aura un compte wallet. C'est-à-dire, actuellement, dans votre compte, il n'y a pas un wallet. Il y aura un portefeuille dans lequel vous pourrez faire plein de choses. Et donc, ce portefeuille sera lié à la carte de crédit. Parce que pour avoir une carte de crédit, il faut un portefeuille, n'est-ce pas? Voilà. Il faut un portefeuille dans lequel tout se passe, on voit tout. Voilà, ça c'est aux alentours du bateau. Voilà le bateau qui est là. Les gens souvent, le bateau accoste souvent, les gens sortent du bateau, font leurs courses. Et puis, ce n'est pas le seul pays. Ils ne sont pas restés souvent en Barcelone, hein. Ils sont allés jusqu'en France. Hein. Ils sont arrivés jusqu'à Paris. Ils ont visité la Tour Eiffel, tout ça. Donc, quand tu as le visa, tu es dans le bateau promené. Ça, c'est un grand leader sud-africain beaucoup connu par beaucoup de personnes. Et ce gars-là, c'est aussi un grand leader, vous comprenez? Voilà. Il valorise sa culture sud-africaine. Voilà, ça, c'est aussi un noir aussi au moins. Voilà. Et donc, voilà, tout ça, c'est CrowdOne. Vous voyez? Lui, l'exemple, c'est le monsieur qui gagne plus de 100 000 euros par semaine, c'est lui qui est là, lui, là. De 100 000 euros par semaine. J'oublie son nom, mais c'est un gars qu'on m'a montré, on m'a déjà montré ce monsieur. Il gagne assez d'argent dans ce business. OK, appelez-moi de photo. Voilà. Et vous voyez ce gars? Ce gars, c'est celui, j'étais au Ghana récemment, lui, là. Lui qui est assis là. OK, celui-là, c'est le grand leader sud-africain qui fait la conférence de CrowdOne chaque jour. OK, c'est lui qui est là. Ça, ce sont les leaders de CrowdOne. Voilà. Tellement d'images. C'est du concret, c'est pas quelque chose de virtuel comme on peut le penser, comme certaines personnes peuvent le penser. Voilà, donc vous voyez ce monsieur qui est là, c'est le fondateur, le CEO qui est là. Le CEO, lui dont Wikipédia parle, là, c'est lui qui est là. C'est-à-dire qu'ici même se trouve le PDG aussi, mais bon, comme je ne connais pas bien le visage, mais c'est le CEO qui est là. Donc ça, ce sont les top, les boss qui sont là. OK? Ce monsieur-là, je vous le montre aussi ici sur dans cette vidéo. Lui qui est là. Vous voyez, non? C'est le CEO, le directeur international de CrowdOne. Lui, la Wikipédia parle de lui. Joel Menu Style, c'est un Suédois. OK? Vous le voyez bien aujourd'hui, non? Ce sont des grands messieurs. Ce n'est pas des petits, pas des enfants. C'est du costaud, mon frère. C'est du costaud. Il faut prendre l'affaire au sérieux, c'est lui qui est là. C'est lui qui est assis là. Lui là. Lui qui est là. OK? Il te parle. Bon. C'est ça. Ce qui va arriver, arrivera. Je fais ce travail pour vous. Bon. Pour vous montrer que, bon, c'est pas du jeu, que c'est des questions de costaud. Bon. Vous voyez? C'est que c'est pas du jeu. Vous voyez? Vous êtes là. Il y a une piscine, vous pouvez vous laver, vous bronzer, pour les blancs, voilà. Maintenant, les noirs vont se noircir. Oui, tous ces bateaux-là pour vous seuls. Celui qui ira de la croisée de 2020, vraiment, c'est que vraiment. Bon, on va s'arrêter là, OK, pour ne pas faire une longue vidéo. Mais regardez que c'est très cool, CrowdOne. Impossible is nothing, c'est le slogan qui est là. Rien n'est impossible. Alors, on va donc s'arrêter là. J'ai bien envie de continuer, mais il y a de très belles images encore. Vous voyez celle-là? Waouh! Tout ça, c'est beau à voir, n'est-ce pas? Voilà, donc, on va s'arrêter là.
Voilà le monsieur qui est là, c'est le CEO qui est là, Johan Steinwurfstein, le Future of Product. Lui, c'est lui qui est en train de présenter l'avenir de CrowdOne aux gens. Donc, c'est un grand monsieur qui est là. Lui aussi, c'est un directeur, le directeur marketing de l'Asie-Pacifique. Enfin, sur le plan global, le directeur marketing qui est là, lui là. Voilà, lui qui porte les lunettes là, c'est le directeur marketing, c'est un monsieur aussi. Voilà, on va s'arrêter là. Merci et ciao.